Un matin, un café et de la panne de porc. La panne, c'est ce qui fait les crotons. Tu prends du lard, là, du tender flake, là. C'est dégueulasse. C'est ça que ça prend, regarde. Tu coupes ça en petits cubes, 3/4 pouce. Tu fais mettre ça dans un chaudron épais en fer. Merci. Tu fais fondre tes petits cubes dans un chaudron. Lentement. Fais pas brûler tout ça bien noir, là. Lentement, avec amour. Des oignons bien minces. Avec amour. Ça fait commencer à être doré. Hein? On va les enlever. L'épaule, puis du porc dans le flanc. Ça prend les deux, haché. 5 livres. Avec une cuillère trouée, tu vas retirer tes lardons. Tu gardes ton gras. Ça, tu vois, c'est mes lardons. Pas trop les cuire. On a de viande. Avec 5 tasses d'eau, on fait revenir ça. Ça va être bon. Je coupe la panne en petits morceaux. Ça bouille. 30 minutes. Les épices, la muscade, du clou de girofle, de la cannelle, du poivre, du pas de sel. Ben non. Faut qu'ils soient petits, tes petits morceaux de panne, là. Petit. Tu vois, ça, c'est la panne. Ça, c'est la graisse de panne. C'est la panne qui fait le croton. Si tu prends du Saint-Doux, c'est pas ça l'affaire. Tu mets de la graisse. Puis 3 heures de cuisson. 20 minutes avant la fin, je vais mettre le reste de la panne. Qui est tout écrasé. C'est cochon. Tu brasses souvent. 3 heures. Et donc, le dernier 20 minutes, bien. Tu mets tes petits morceaux. Ça va être bon. On le fait encore une bonne demi-heure, puis après ça, on va mettre un peu de sel. Et voilà, mesdames et messieurs, mes crotons sont faits. On va y mettre des pots, mais que ce soit un peu plus frais. Tu mets ça dans un plat de même, avec des petits plats comme ça, bien propres. Tu laisses refroidir ça, et waouh, les meilleurs crotons au monde, avec bien de la moutarde.